Beep, beep. Bon, je vais muto le first. Les gens sont tarés ici. C'est bon, j'apparais sur la carte, on veut me tuer, bah chier, karma mec, désolé. Une casquette. Le Red Magic 7S Pro. Il y a un effet de camouflage militaire, il est incroyable. Bon du coup, le téléphone est setup et on peut enfin jouer à nos jeux vidéo. Et je dis jeux vidéo parce que ce téléphone est fait pour les jeux vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, c'est une machine de guerre. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux vidéo sans aucun problème, grâce notamment à son système de refroidissement. Là, la lumière nous indique qu'il est en train de refroidir le téléphone au cas où que ça surchauffe. Mais ce n'est pas tout, il est extrêmement puissant et dispose de beaucoup d'espace de stockage pour jouer à plein de jeux différents. Il dispose de deux gâchettes sur le côté du téléphone, une à gauche, une à droite. Et tu peux, avec ces gâchettes-là, les mettre où tu veux sur les écrans, comme si tu appuyais sur l'écran. Ce qui te permet de, au lieu de jouer avec les pouces, pouvoir jouer avec les gâchettes, ce qui est parfois plus intéressant, en tout cas pour moi. Comme ça, tu peux te servir des pouces pour plus la direction dans les jeux vidéo, par exemple. Par exemple, ici dans ce jeu, j'utilise les gâchettes pour déraper et utiliser la nitro. Et je garde les pouces pour la direction de la voiture. Les gâchettes sont vraiment top tier si tu joues souvent à des jeux vidéo sur ton téléphone. Ce que j'adore sur ce téléphone, c'est que tu peux mettre plein de petits gadgets sur tes écrans d'application. Je peux voir par exemple le temps que je passe sur le téléphone, les tâches ménagères que je dois faire, par exemple sortir les poubelles, etc. en faisant juste un mouvement de doigt. Il dispose de plusieurs caméras où tu peux utiliser des grands angles. Tu peux t'amuser avec un mode pro, tu peux changer l'ISO, la focus, etc. Bref, si vous êtes un énorme gamer et vous jouez souvent sur le téléphone, ce téléphone est fait pour vous. Lien dans la description. Vous pouvez gagner aussi un Red Magic en giveaway. Lien dans la description et les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et bonne chance pour le giveaway. C'est peut-être beaucoup 4 potions. Ouais. Allez, ciao. Oh, il a Flash Ignite et il a pas eu le kill. Ah, je suis dur, ah, je suis dur, hein. En vrai, je suis dur. Vous savez que tout s'est joué sur une chose, que H envoie une auto ou un W sur le minion pour qu'on passe level 2. Et vous savez que ça, même en diamant, des ADC n'y pensent pas quand ils sont autophiles. Vous vous rendez pas compte à quel point je rage quand ça arrive. On va GG, hein. C'est bon, on peut unmute. La game commence bien. C'est bon, elle me fait des pouces en l'air en plus avec lui, ça me va très très bien, ça. On va être très violent, là. C'est parfait. Qu'elle n'attaque pas le minion pour qu'on passe level 2. On est vraiment des bâtards. Je sais même pas qui tu veux qu'on vise. C'est bizarre comme plan là, non, quand même. On est vraiment des bâtards. Ok, c'est le joueur le plus fourbe avec qui j'ai joué, genre. Je pense que j'ai été vu. Nice. Oh, let's go, niveau 6. Ah, évidemment, je joue Teemo juste pour les champignons. Hein. Comprenez bien. Désolé, je prends un peu trop de kills. Oh le bâtard! Il a vraiment niqué mon champignon là! Mmh.
Ah oui, ça fait beaucoup là. Les gars, non, jouez, je vous en supplie. C'est ultra long, c'est Fiddlestick et Nami. Focus-toi sur l'autre. What the fuck, bro? Allez, chais. Tellement drôle, Timo, putain. Là, j'ai de la chance, y a pas trop de mages en vrai, y a beaucoup de mêlées que de ceux qui ont besoin d'auto-attaque. Le build va être tellement drôle en vrai. Juste le mec chiant en fait, c'est parfait. Ah. Combien de temps? Va falloir back fast hein. Aïe aïe aïe. Ah c'est terrible ce qui s'est passé pour le Fiddlestick. En plus là il est en mode back back quoi. Ah mais c'est parce que moi je ward en fait bro. Ah j'ai même eu la 6, c'est incroyable putain. Là je mange très 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 bien. Buffet chinois à volonté là. Je vais m'occuper de la Kayle. Rapid fire first. Ah ouais. What the fuck les dégâts que je mets? Oh mon cul est pas parti. Oh j'ai le démon. On va s'arrêter là. Là, on est bien. Quoi? Oh, il restait la barrière. Oh, le seum. Là, tu fais un ultime, là. Pas dégueu, pas dégueu. Rip. Le seul qui peut me faire chier c'est l'anami, mais l'anami je l'ai vu justement. Ils sont beaucoup là en vrai. Bomb headshot. Ouf. Nice. Mais viennent ou pas? Y'a son père? Oh shit. Désolé. Oh le plan de merde que j'ai fait là. Ils sont vraiment en train de faire de l'armure. Ah ouais putain. Ça c'est le baron FF. Non c'est baron FF, c'est juste avant des FF, tu testes un truc. Enfin il s'agirait des FF en tout cas. Allô.
Ok. Infernal ce bâtard avec ses champignons. Il y en a partout. J'ai joué Teemo juste pour ça. Et le skin il est incroyable en vrai. Ça fait tellement du bien de prendre du plaisir sur LoL. C'est tellement rare. Alors quand ça arrive, voilà, faut en profiter. Hein. Twitch. Twitch. Oh merde. Oh merde. Oh, je suis en vie. Truc de ouf. Bah jamais je... Oh putain. Ok, lui il est arrivé. Il est arrivé vite. Je vais avoir le kill. Pas du tout. Pourquoi les gens en FF pas par contre? C'est tant mieux hein, là pour le coup je suis content mais je sais même pas comment on a fait pour gagner de la botlane. Je sais maintenant pourquoi. Non, je crois avoir trouvé l'indice. Je crois avoir trouvé le comment du pourquoi.